Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve sur Dungeon Nightmares 2. Voilà, on avait testé ce jeu il y a quelques mois, il y a quelques années, voire même quelques siècles. Je vais trop loin dans cette putain de blague. On avait entendu ce bruit, on est chaud aujourd'hui. On est d'humeur à jouer un jeu d'horreur, hein, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on est d'humeur. Oui. Ah, et là t'as envie de casser un réveil là. T'as envie de... Où je suis? Ceci est une très bonne question, jeune inconnu. Commence par te présenter s'il vous plaît. Et qu'est-ce que je fais ici? Encore une bonne question. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Oh putain, j'ouvre un tiroir, j'ai l'impression que je me fais, je sais pas, qu'un lion me rugit dessus. Ça déconne quoi, les tiroirs hyper agressifs. Une télé glauque. Ah, le coup de la télé, hein. C'est la facilité, hein. Alors on va commencer par allumer toutes les lumières possibles de cette pièce, voire même de cet immeuble, voire même de cette ville entière. Je peux pas appuyer sur l'ampoule pour qu'elle s'allume, non. Ah ça par contre, je peux tirer la chasse d'eau, hein. Et ils ont mis le son d'ambiance super basse, ce qui fait qu'on va y avoir un petit son screamer ou quoi. Boum, ça va nous péter la gueule. Bonjour, je suis innocent et très gentil. Ah nickel. Oh. Comment ça peut bouger tout seul? Je me suis peut-être... Ah! Je ne peux pas entrer ici. Très bien, et eh ben on va trouver une clé pour que tu puisses rentrer. Ok, j'ai compris. La chambre 306 est fermée. Bon, dites-moi que je dois aller au bout du couloir. Putain, ça ira plus vite à la fin. Tout est fermé. Bon, ascenseur, sauve-moi d'ici. Ah non! Ah non, mais c'est quoi cet ascenseur, mec? C'est une chaîne qui est accrochée à une plaque, quoi. Wouh! Attraction. Pressez tout Sparklight. Ah d'accord, ok. Il me donne le briquet, mais il n'y a plus de gaz. Il n'y a que la partie étincelle, voilà, la partie nulle. La partie qui t'abîme le pouce en plus à force de... Hein. Alors où ça nous mène? Trouvez l'artefact et échappez-vous. Mais j'ai pas de lampe torche, sérieusement. Non mais c'est un scandale, quoi. Pourquoi quelqu'un a abandonné ses vêtements ici? C'est vrai ça, pourquoi? Serait-ce peut-être les vêtements d'un cadavre, d'un jeune cadavre? Alors y aurait-il une bougie? Pressez to use candle. Oh. No more things like that. Bitches, bitches. J'avais oublié ces putains de squelettes. Putain de... Oh. Oh. Pourquoi? 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 À quel moment? Cette toile d'araignée, c'est ça, putain d'araignée. Ok, encore des fringues abandonnées. La bougie s'est éteinte. C'est pas grave, on a toujours des petites étincelles. Pop là, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est notre style. Alors, jeune carte, saurais-tu me dire où est ce putain d'artefact? Ce serait vraiment génial. Apparemment, il y a un chemin là-bas, donc on va aller là-bas. Oh. Oh, squelette. Je te... Oh, oh, oh. Ils étaient là quand on est rentré. Bien sûr que nous, ils sont incrustés, ils ont cru que c'était la fête. Ah voilà, y'a ce mec qui te part dans les oreilles. Mais c'est comme le 1 mais en plus chiant. Oh, j'ai quitté le jeu. Je suis couvert de honte et de transpiration. Ça ne me protégera pas. Faut pas être devin pour savoir qu'un coffre de vide te protégera pas, bordel de merde. Et là-dedans, est-ce que... Stop. What the fuck? The fuck? Qui est cette... On dirait un stickman. Un stickman comme... Wow, un stickman énervé qui fait trembler le sol quand même, hein. Un stick très énervé. Je fais des étincelles, ok. Ça peut faire extrêmement mal si on met le briquet vraiment un millimètre de l'œil, ok. Alors faites pas les manas. Qu'est-ce qu'on a ici? Des petits... Oh, une bougie. Pourquoi pleure-t-elle? Qui? Elle? Elle ressemble à quelqu'un que je connais. Ouais. Ouais, ouais. Bah t'es un dangereux psychopathe, mon gars. Qui a mis ça là? Non mais mec, tu vas pas dire ça dès que tu vois un objet, quoi. Ça suffit. Oh mon dieu. Qui a mis ça là? Ça ne me protégera pas. Ah, en fait, ok, je veux qu'il ramasse un objet pour me protéger, mais il me dit ça ne me protégera pas. Et qu'est-ce qui te protégera, bordel? Pas sûrement pas des portraits de femmes que tu connais, ça je te le dis. À quoi cela a-t-il servi? Ça a été utilisé pour boire du sang? Donc là, il voit juste une coupe de champagne. Ah, ça a été utilisé pour boire du sang. Et c'est quoi là? Qui fait de la trompette pour me faire peur? Putain, arrêtez aussi les bêtises, l'orchestre. Regardez, il a arrêté. Il s'est fait son kiff, il a arrêté. Donc je rappelle qu'on doit trouver un artefact, non pas un squelette ou un portrait de femme. Oh! Arrêtez. J'ai l'impression que depuis quelques temps, je suis beaucoup plus... Oh! Sensible au screamer et à tout ce genre de conneries, putain. J'ai passé l'âge, ok? Donc ça va nous tuer. C'est sûrement pas un morceau d'aluminium avec des résidus de cassoulet de la veille. Oh, encore une porte-lame. Oh mon dieu, ça a été utilisé pour boire du champagne. Allez. Oh, c'est une blague, c'est une boutade, c'est une petite boutade. Je sais que vous n'avez pas trop d'humour, jeune squelette. Ah, le squelette se déplace. Vous m'avez dit qu'on l'avait pris en flagrant délit, qui venait comme ça sur la pointe des pieds. Ah, saloperie, on t'a pris en flagrant délit, hein. Ah, on peut pas fermer cette putain. Voilà, à bientôt. J'espère que c'était bien par là. Sinon, je suis enfermé comme une merde. Je ne vois rien à l'intérieur. Ah, putain, y a pas une petite... Oh. Self-défense, ok. Mais pas dans l'attaque, uniquement dans le geste vulgaire. Oh, un ascenseur, mais dites donc. Vous ne pouvez pas quitter sans l'artefact. Oh non, c'est une blague. Je déteste quand t'arrives à la salle finale et qu'on te dit... Eh ben non. Non, je vois deux endroits que j'ai pas visités. Comment on fait? Faudrait qu'on l'attire là-dedans. Il est là, mon con, et à bientôt! Allez hop, je te l'enferme. Alors, faut faire gaffe qu'on reviendra, ne pas aller tout droit, puisqu'il est juste derrière la porte. Voilà. Vous êtes mon mémo, ok? C'est vrai qu'il y a rien d'autre que des putains de coupes de champagne dans ces coffres, hein. Faudrait pas y avoir une bonne grosse lampe torche avec 120 piles AAA, ou même un jeu AAA. Par exemple, Battlefield, avec une console AAA aussi. Alors, l'artefact, ça vient. Ça vient? Oh! Je l'ai eu! Ça ressemble à une clé de la chambre d'hôtel. Faut que je trouve la sortie maintenant. On est d'accord, ça, si je passe, ça va me tuer. J'ai envie de vous demander. Voilà. Oui, oui, je pense. Tu meurs, mais je suis pas sûr. Non, t'inquiète, c'est un passage secret à skip. Ah, si à skip, c'est un passage secret, alors. Il n'y a qu'un moyen de savoir, messieurs, dames.
Mon dieu! Mais putain, je vais vous demander à chaque fois que je suis bloqué devant un truc, bordel de merde. S'il vous plaît, un artefact ou une sortie, l'un des deux, voilà. Bon, ça vient la sortie. Bon, pire, est-ce que... Ok, au pire, est-ce que la sortie c'est pas par l'ascenseur là-bas, le gros trait par où, d'où l'on vient? Oh, c'est beau ça, c'est nouveau. Alors, ça vient? J'adore cette expression, c'est vraiment les grincheux qui disent ça. S'il vous plaît, monsieur l'ascenseur. Oh non! Donc la sortie était où? Il y a un squelette qui fait le ninja marcher. Langage de pieuvre, hein, on se comprend. Elle venait assister à l'incroyable spectacle de ce squelette, donc ce que j'étais en train de vous dire. Je me demande si on peut pas aller là-dedans, ou si c'est un piège en fait. Il y a qu'à moyen de le savoir. On a fait un saut de 50 cm. Oh, wow, 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 wow. Eh, hey, putain, à 1 mm près, elle était bonne pour nous. Chop, là. C'est toi qui es responsable de ça. Étincelle. Oh, j'avais oublié ce petit net. Allez, si ça déplace-toi encore, voilà, encore un peu. Oh, pas trop non plus. Oh, je veux pas le smack. C'est la sortie. Une porte que tu n'avais pas vue, qui était tapie dans l'ombre. Tourne la roue pour t'enfuir. Oui, c'est ça la sortie, mon gars, finalement. C'est comme ça que tu tournes une roue. Là, tu fais juste gauche, droite, gauche. C'est pas grave, bon, outre ce détail. Ah, ah. Elle en fait quoi? On met le coup de poing sur le réveil. 16 novembre, minuit 3. Pourquoi je suis encore là? Nickel, ça recommence. Je devrais regarder en dehors de cette chambre. 313. Pa-pa-pa-pa. Oh! The fuck, man, je rentre pas là-dedans, c'est hors de question. Même contre un joli dessin, je ne le ferai pas. Bon, ok, vous avez trouvé mon point faible. Allez, on rentre dans la pièce. Bah écoute, si tu m'avais pas bloqué l'entrée avec ce putain de ballon, peut-être que je pourrais venir te voir. Putain, me dis pas qu'on doit reprendre l'ascenseur pour retrouver une clé pour revenir et re-rentrer dans une autre chambre dans laquelle on peut même pas rentrer, puisqu'il y aura quoi cette fois? Un mec qui jongle. Trouve l'artefact et sauve-toi. God mode activated. Et maintenant en français, version invincible activée. Voilà, je fais aussi partie des Power Rangers. Sauce carrette, sauce carrette, sauce carrette, sauce carrette. Sauce carrette, wow, wow, wow. Peut-être qu'il nous donnait les paroles d'une chanson à chanter pour peut-être que l'artefact arrive comme ça et fasse. Oh, tu chantes super bien, dis donc. Ah ouais, c'est vrai. And I don't care right now. Fin du haut, si tu veux, y a aucun problème. Oh, oh, dis donc, non. Un petit enfant se soulève. Et voilà, mise en scène par Beyoncé. On tient un spectacle, là. Je peux passer ou pas, vous pensez? On va le tenter. Oh, la technique de l'homme sans testicule. Oh, mon Dieu, quelqu'un est fâché de l'autre côté. Serait-ce les WC de la map? Oh! Oh, micro, tu te prends ta gueule! De même le Flurby! Squelette, protège-moi! Oh putain, FDP! Mais je suis stock! Mais pourquoi elle fait crise d'as maintenant? Ah! Oh, mignon ce petit bruit refait! Ah non, non, c'était pas du tout comme ça, tu l'as très mal fait. Bon, et bah voilà les gens, c'est déjà fin de... Pardon, le micro est encore un peu décalé. Bon, et bah voilà les gens, c'est déjà fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer comme d'habitude. Désolé d'avoir dû finir sur cette fin, voilà. Sur même pas le beau cri de la fille, mais sur le moche cri de la fille. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Encore merci d'avoir regardé, vous êtes top. Ciao tout le monde, peace. Oh non, t'as tout gâché, câble, à te mettre là, comme ça.